Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portiez bien aujourd'hui, comme vous avez pu constater aujourd'hui. Oui, je suis habillé dans les couleurs de One Piece, donc j'avais pas le choix aujourd'hui. Mais avant que je vous dévoile le pourquoi de ce magnifique t-shirt, oublie pas de t'abonner à ma chaîne, le petit carré qui ressemble à ceci que tu trouves en bas, si c'est encore pas fait, d'activer les petites cloches pour savoir quand c'est que je mets ma prochaine vidéo, et puis de partager, de liker, enfin, tu connais l'astuce. Et puis aujourd'hui, on va parler aujourd'hui de ceci. Voilà. Les nouvelles cartes qui sont sorties de One Piece, ça doit faire à peu près un mois et demi qu'elles sont sur le marché en international. Donc j'ai pu me procurer tous les packs possibles, les 4 packs en tout cas que j'ai trouvé. Donc on va en dévoiler déjà quelques-uns et puis on verra le temps si je vous fais les 4 ou si j'en fais juste un ou deux. Bon allez, on va pas traîner, c'est parti, suivez-moi, générique. Bon voilà, donc on va commencer avec le premier pack de One Piece Luffy. Voilà, c'est celui-ci là. Je vais vous le montrer là, voilà, c'est celui-là. Nous avons encore l'autre de notre cher ami qui est ici. Nous avons encore le troisième petit pack de Crocodile. C'était qui d'avant? Et nous avons aussi le pack de Kaido. Voilà, donc nous avons... là, comme il est marqué, Straw Hat Crew de One Piece, c'est les packs. Bon, c'est des versions en anglais parce qu'ils ont encore pas fait les versions françaises. Mais c'est pas grave, on va quand même dévoiler ce premier petit pack. On va regarder déjà la gueule qu'elles ont. Parce qu'en plus, on peut jouer aussi avec. Donc, moi, c'est pas, je vais pas vraiment jouer avec. Hein. Je vais vraiment voir la tronche qu'elles ont. Donc, on va essayer d'ouvrir ce petit pack. Allez. Et voilà, allez, voilà, viens voir. Alors, hop, tac, voici là. Donc, nous avons déjà, pour l'instant, on va faire comme ça, faut pas voir trop ce qu'il nous propose. Alors, nous avons déjà un petit papier qui est, alors, comme vous pouvez voir, c'est marqué Game Essentiel. Donc, nous avons des cartes de deck, la Leader Card, nous avons des cartes caractère, des Event Cards. Et des stage cards, ok, donc c'est toutes des cartes pour pouvoir jouer, donc c'est fort sympa, il y a les règles dessus, mais pour l'instant, nous on s'en fout, ce qu'on veut, c'est savoir ce qu'il y a dedans ces cartes. Donc, on va prendre le premier deck, voilà, il y a quand même pas mal de cartes, voilà, donc on va, hop, alors, est-ce qu'elles se dévoilent comme ça? Non, elles sont vraiment depuis l'autre sens. Et là, c'est quoi? C'est juste les premières. Ouh. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever juste les premières qui sont ici. Voilà. On va les laisser là. Et ça. Ok, c'est des One Piece, des cartes gamme, des cartes game. Ouais, c'est pas très très intéressant. Nous avons juste ceci, c'est U-Turn, donc à 1000 points. Ok. D'accord. Donc on, voilà, ok, on va laisser ça de côté. Et on va attaquer ceci, voilà, ce qui est vraiment le plus intéressant. On va voir ce qu'il nous propose. Alors ça, bah, première carte, tout bêtement, c'est la carte du Sunny. C'est cool, voilà. La jolie petite carte du bateau de Luffy. Elle est cool. Ensuite, nous avons bah, de nouveau la même. Hein. Est-ce qu'il y a des différences? Absolument pas. Ensuite, nous avons une petite carte de... Ah, ok. Nous avons une petite carte du Diabet Jamb. Qui est aussi fort sympa. Voilà. D'un coup, j'ai oublié son nom. Tout bêtement, je suis une loose. J'ai oublié son nom. Il va me revenir. Il va me revenir, mais bon. Ensuite, alors, nous avons de nouveau la même. Ok. Ensuite, nous avons quoi? Le Gum Gum Jet Pistolet. Ensuite,
Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? De nouveau la même chose. Donc, on peut voir ici, nous avons quand même tout en bas des petits indices. ST01015. Là, ok. Donc après, c'est vraiment des cartes de jeu. Après, nous avons Guard Point. Ok. Ouais, elle a rien d'extraordinaire. Celle-là, c'est la même. Ah. De Brock. Ok, elle est fort sympa. On peut voir, il a 3000 points. Voilà. Elle est sympathique. Moi, je l'ai massée. Ensuite, alors, qu'est-ce que nous avons? De nouveau, Brock. Ensuite, nous avons Frankie. Voilà. Elle est sympa. Lui, il a 6000 points. Ok. Elle est pas mal. C'est le début, quand il était au départ. Pas trop mécanique encore. Enfin, je trouve. Enfin, si, déjà, oui. C'est la dernière génération. Ensuite, nous avons quoi? De nouveau, Frankie. Encore Frankie. Voilà. Bah, on en a une chier de Frankie. Ah, voilà. Nous avons Vivi aussi. Elle a 4000. Elle est sympa. La carte, voilà, elle est dessinée. Elle est pas trop... Mais elles sont sympas. Voilà. Donc, nous avons de nouveau Vivi. Encore. Alors. Là, nous avons encore une fois Vivi. Ensuite. Oh, fort sympa. Nous avons Nico Robin. Celle de Nico Robin est fort sympathique aussi. Ensuite, nous en avons encore plusieurs de Nico. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans notre deck? Oh, nous avons Nami. Voilà. Elle est aussi à 1000. Elle est fort sympathique. Active main, one up per turn. Voilà. Elle est sympa. En plus, les cartes... J'ai pas regardé la qualité, mais elles sont vraiment fort sympas. En plus, elles sont un peu brillantes. Même l'autre côté, ici, elles sont vraiment magnifiques. Il n'y a rien à dire. Là. Ensuite, qui c'est que nous avons? Ah, un petit ami fort sympa. Nous avons Chopper, voilà. Qui a aussi 1000 points. Tony Chopper, elle est fort sympathique. Ensuite, qui c'est que nous avons dans notre petit deck? Eh ben, nous avons Jinbei, voilà. Lui, il a 5000 points aussi, elle est fort sympa. Donc, il faudra qu'on fouille un petit peu sur le net pour voir ce qu'on a comme comme nom. Ah oui, l'autre que je me souviens pas, la jambe noire, c'est Sanji, je suis bête. J'avais oublié. Et en parlant de Sanji, ça tombe bien, la prochaine carte que nous avons reçue dans notre deck, c'est Sanji, justement, qui a 4000 aussi. Où elle est fort sympathique. Après, qui c'est que nous avons? Nous avons le copain Caro. Voilà. Le petit oiseau de Vivi. Où je la trouve un petit peu... Voilà, je trouve qu'elle est un petit peu floue sur la photo, sur la carte, mais elle est fort sympa. Après, nous avons notre petit ami Usopp. Nous l'avons plusieurs fois. Voilà. Et après, on passe aux cartes fort intéressantes, c'est les derniers du deck, voilà. Donc, nous avons... Oh putain, celle-là, elle est magnifique. Attention, la voilà. Et en plus, j'en ai deux. Nous avons Zoro, voilà. On la voit bien. Et en plus, elle est ici légèrement comme de l'hologramme dessus. Elle est irisée, on dirait. Elle est vraiment chouette. En plus, il a 5000 points, donc elle est vraiment chouette. Ensuite, nous avons notre cher ami Monkey D. Luffy. Celle-là, elle est vraiment chouette, elle est vraiment, vraiment cool. Là, lui, il a 6000 points. Et on en a encore une autre de Monkey D. Luffy et que je préfère. La voici. C'est la dernière de ce deck où elle est vraiment chouette. Et j'en avais encore une autre comme celle-ci, mais voilà. Donc non, franchement... C'est pas mal, je le trouve vraiment pas mal ce deck. Les petites cartes sont vraiment belles. Je vais vous les montrer là-dessus. Là, vous verrez mieux ici. Regardez-moi comment elles sont belles ces cartes. Voilà.
on peut rien dire, franchement, il n'y a rien à dire, elle est vraiment chouette. Je vais vous montrer l'autre de Monkey, encore, la voici. Hein, il n'y a rien à dire, elles sont vraiment, vraiment chouettes. Ensuite, nous avions Zoro, voilà, comme ceci. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Elles sont vraiment chouettes, hein. Elles sont vraiment belles. On avait, comme je vous ai dit, Usopp, voilà. Il est sympa, notre cher ami Usopp. Nous avons Caro aussi. Je la trouve un petit peu bizarre, la carte, parce qu'on dirait qu'elle est un peu floue, mais elle est chouette. Après, nous avons notre cher ami Sanji. Elle est sympa aussi. Nous avons ensuite Jinbei. Ah, elle est sympa. Il n'y a rien à dire. Elle est chouette aussi, cette carte. Ensuite, nous avons... Ah, bah oui, notre cher petit ami Chopper. Regardez-moi comme il est trognon. Hein. Elle rend bien la carte. Franchement, elle est vraiment chouette. Ensuite, qui c'est que nous avons reçu? Nous avons reçu une des plus belles de l'animé. Nous avons Nami. Voilà. Elle est chouette aussi. Bon, ça se tire dans les pattes avec, avec notre cher ami Robin. Voilà, qui est ici. Ou ici, elle est vraiment chouette aussi. Ensuite, nous avons Vivi, voilà, elle est chouette aussi, si, il y en a à dire. Ensuite, nous avons le petit Franky, voilà, elle est chouette. Nous avons aussi Brock, voilà. Elle est chouette aussi, sympathique, rien à dire. Et après, nous avons 2-3 cartes. Nous avons, voilà, des cartes comme ceci. Nous avons aussi la carte du jet pistolet. Là, nous avons aussi la carte pour Sanji de la jambe du diable. Là, et nous avons évidemment le Sunny. Voilà. Vu qu'on a fait le premier deck avec notre cher ami Luffy, on va prendre celui-là, cette fois-ci, de notre cher ami Kid. Et on va voir ce qu'il nous propose. Alors, on va déjà essayer de l'ouvrir, ce sera déjà bien. Voilà, sans tout casser, ça peut être mieux. Le pouvoir scalpel, voilà, qui est ici. Qui est sympa. Nous avons après le petit pouvoir Ripel, hop, là. Ensuite, nous avons le petit pouvoir Straw Sword. Ah, si. Ou comme on peut voir, les cartes, elles sont quand même très jolies. Hein. Il n'y a pas à dire, elles sont vraiment chouettes. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire comme avant. On en a quand même plusieurs qui sont identiques. Par lui, donc la première carte, nous avons X-Drake, voilà, comme ceci. Elle est quand même sympa, il a quand même 5000 points, elle est quand même chouette, hein. Y a rien à dire, fort sympa. Ensuite, nous avons, ah lui je l'aime bien, il est tout doux, nous ça, c'est Beppo, voilà. Ah, il a une bonne tête de nounours, hein. Bon, ok, c'est un nounours, ok. Mais voilà, celle-ci, il a 3000 points. Alors là, c'est quand même le deck, j'ai oublié de vous dire, sur la Worst Génération, là. Il est marqué juste ici. Voilà, c'est marqué Pire Génération. Nous avons aussi One Piece, je vous ai dit le nom aussi. Et nous avons, après, encore deux decks. Mais je pense que ça fera un peu long pour vous les présenter aujourd'hui. Ce sera sur une prochaine vidéo. Voilà. On espère que la qualité vidéo sera un petit peu mieux que celle-ci. Enfin, on va continuer notre petit
cartes. Donc là, c'est Hit. Voilà. Ah, elle a rien d'exceptionnel. Elle est sympa, sans plus, mais voilà. Ensuite, nous avons... Alors, hop. Nous avons Basil Hawkins. Hawkins, si vous le préférez. Hawkins. Voilà. Elle est assez basique, mais elle est simple. Elle est jolie. Voilà. Ensuite, nous avons Scratchman Apo. Je sais pas pourquoi. Je l'ai jamais aimé. Enfin, voilà. Une tête à claque, étonnamment. Ensuite, qui c'est que nous avons? Alors. Ensuite, nous avons. Hop. Et hop. Voilà. Nous avons Bonnie. Ici. Oh, elle est sympa. Bon, elle tire un peu la tronche sur cette carte, mais elle est sympa. Ensuite, nous avons une connaissance fort sympathique, Kobe, voilà, qui est sympa aussi. Là, ensuite, qui c'est que nous avons dans notre petit pack? Vito. Voici. Oh, elle est sympa aussi. Là, après, nous avons Urug. Là. Hop, suivi. De Capone Gang Biggie. Celle-là, elle est chouette. Avec sa forteresse. Enfin, c'est lui la forteresse. Et nous arrivons gentiment aux dernières cartes. Donc, nous avons déjà Killer. Je trouve que c'est une des cartes pour l'instant, là, que je vous ai montré de ce deck, qui est la plus sympa, je trouve. Et maintenant, on s'attaque vraiment aux choses comme avant, dans le pack. Les choses vraiment très très intéressantes. Donc, nous commençons par celle-ci, par l'eau, Trafalgar, l'eau, voilà, la carte, regardez-moi celle-là, comme elle est magnifique, irisée, hologramme et tout, elle est vraiment chouette, avec ses 6000 points, elle est vraiment excellente, elle est magnifique. Et après, vu que c'était pire génération, bah, on a forcément Kid, vu qu'il était dessus. Donc voici Eustace, Captain Kid, voilà, celle-là aussi, elle est magnifique. Un petit peu moins de points que l'eau, mais elle est chouette. Bon, ici, après, c'est juste standard. Et nous arrivons à la dernière carte, ici. Celle-là, elle dépote. Voilà. C'est Captain Kid, mais avec son bras mécanique. Voilà. Elle est vraiment chouette, je l'aime beaucoup. Et lui, il a 7000 points. Vous pouvez voir, elles sont vraiment chouettes, ces cartes. Bon, bah, j'espère que ce petit déballage de cartes One Piece vous a plu. En tout cas, moi, ça, j'ai adoré parce qu'elles sont magnifiques, ces cartes. Je préfère à Pokémon. Franchement, après, voilà, j'ai grandi avec ce manga qui n'est encore pas fini, mais bientôt. Mais j'ai grandi avec ce manga et il est magnifique. Donc, si vous ne connaissez pas, allez regarder. Hein, sinon, vous pouvez acheter les cartes, elles sont magnifiques aussi. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Donc portez-vous bien et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao !